testing all these things. He never stole anything in Yashoda house. So we should also tell and divide our happiness to Yashoda also. But in a mood of complaining. One Sakhi one day came and also he said, oh, I am so much मैं उसे अत्यंत ये हो गया हूँ मैं उसे अत्यंत तंग आ गई हूँ I'm disturbed with your wicked boy, naughty boy. One day he entered in my room where butter was kept. I caught him red-handed and told, what are you doing? He told, smiling, nothing, mother, nothing, nothing. And he said, you are keeping your hand in this and taking? No, mother, I was searching my cough, my friend cough, little cough. And I was hearing and saw that it had jumped in your paw. Oh, it had jumped in. Very exactly. Oh, mother, I'm. And he gave his hand in the paw and brought a marble cough. Oh, he jumped from my hand and I was searching where he was. I was not stolen your makhana. She began to laugh. And Krishna fled away, run away from her. One day, another mother, Sakhi, is telling to Yashoda, complaining, oh, I'm so much worried for you. This child, Krishna baby, oh, she's so naughty. Went in search of makhan in my room, here and there, and he saw that I have kept it very hidden way, and he was searching and not having any trace of makhan. Then he saw that my boy is sleeping there, and he made pinching him. And my boy began to cry. Then I saw that Krishna is running. One day, one Sakhi is also telling, oh, your boy is so naughty. Today he entered in my room, and I was watching and looking that when this naughty boy comes, I was hidden. At once, he came and gave his hand in the butter pot. And quickly I came and catch him, his hand. I told that, naughty boy, I am taking you to your mother, Yashoda. He does not believe, she does not believe in our this words. Thing. She said that baseless, all these things they are telling. But I will take you to, and I will prove that your this naughty boy has entered in my house and he was just stealing makhan, butter. So she was taking to Krishna. She took forcibly Krishna in his lap and covered with his belt, lightly and forcibly, that he should not run away. And then he went to Yashoda and telling that, oh, I have red-handed spiked your boy, and he is here. Yashoda was just smiling and telling, where is he? He is sleeping just now, I have seen, and from where my son will come, and he will go to yours. Then he closed the bell, opened the bell, and saw that his own son was there, not Krishna. In the meantime, Krishna weeping and coming from his bed, like doing, mother, mother, they always complain you like this. I was sleeping here, I was not there, but they are complaining. I must go now and I will steal you. Saying this, all these things, Acha, you should do. Not so much long. Otherwise, interest will go. I think all are understanding or not.
who are not understanding my English. Qui ne comprend pas l'anglais de ma race. Very interesting. Dans la Bhagavad Gita, Krishna dit Jamma Karma Chamedivya. Je ne prends pas naissance et je n'agis pas comme un être vivant ordinaire, comme un Badajiva ayant conditionné. Je prends naissance, j'agis, mais c'est transcendantal, après Krita. Et cela peut être réalisé seulement par l'aide de Yoga Maya. Ce n'est pas que Krishna d'abord prend naissance. D'abord c'est un bébé, ensuite il devient un bambin, un petit enfant, un adolescent, un adulte, un vieillard, jamais. Seulement par l'apparence, parce que Krishna ne prend pas naissance, il est éternellement l'enfant de Nanda Yashoda. C'est juste, par l'arrangement de Yogamaya, il a cette apparence qu'il y a différents stades. Mais en fait, il passera par différents stades. On peut dire que le Krishna originel, la forme originelle de Krishna, c'est quand il est Kishore, avec une beauté infinie, et ça... son apparence habituelle, c'est avec sa flûte, son sourire charmant et ses jeux avec les gopis. Mais on peut également le voir, pas seulement comme Nandananda, mais comme Dwarkadish, l'ami de Krishna, le combattant sur le char d'Arjuna, le combattant du Mahabharata, également comme Narayana Vaikuntha avec tellement d'opulence, ou comme Baladev, ou comme Mahasankarshan, ou encore comme Vishnu allongé sur l'océan de lait, ou Vishnu endormi, ou même comme Sesha. Mais la racine même de toutes ces formes, ces manifestations, c'est Yashodhananda Krishna, Radhakanta Krishna, Radhanath Krishna. Un jour, Krishna était avec son, à l'âge où avec son frère Balaram, ils étaient tout petits, ils se promenaient tout nus, ils allaient maison en maison sur les bords de la Jamuna, à Ramanagat, Ramanreti. Les gopis venaient toujours se plaindre à Mère Yashoda. Oh Saki, ton Krishna est devenu un tel garnement. Tôt le matin, il y a une ombre noire qui se faufile dans ma maison, à la recherche du beurre, et il le distribue à ses amis, aux singes, aux corneilles. Et quand on l'attrape, il demande, mais pourquoi est-ce que tu demandes, on lui demande, pourquoi est-ce que tu viens voler? Demande, on t'en donnera, il dit, moi, j'en ai pas besoin, je vole pas, j'ai bien assez de beurre chez moi. Mais en fait, ton fils, il a pris cette manie, je me fais vraiment du souci pour lui, il a pris cette manie de venir voler, hein, c'est une mauvaise habitude. Et un jour, je l'ai pris la main dans le sac, et alors qu'il était la main pleine de beurre, il dit, mais, oh, je croyais que j'étais chez moi, oh, tu n'es pas ma mère, oh, ben je me suis trompé, ah, c'est pour ça que tu veux me gronder, tu penses que je suis un voleur. Je me suis trompé de maison, tout simplement, non, pas de voler, moi jamais, pas de voler. Tellement, espiègle. Et il avait un tel sourire que moi aussi je me suis mis à sourire, et j'ai perdu toute main. Parce que Krishna ne faisait jamais des choses pareilles chez lui. Jamais il volait chez lui. Et les gopis, en fait, savouraient tous ces divertissements. Alors, elles savaient que Yashoda ne pouvait pas goûter ça, ce genre de divertissement. Donc, elles venaient partager leur bonne fortune à Yashoda, mais elles le présentaient sous forme de complainte pour, en fait, c'était un prétexte pour le faire partager, en fait, leur extase. Une autre disait, je guettais son arrivée derrière la porte cachée. Et il est arrivé un jour, il m'a pas vu, il était directement au pot. Il a mis sa main dedans, il a commencé à manger, il avait le visage tout barbouillé, et je l'ai pris la main dans le pot, hein, la main dans le sac, non, la main dans le pot. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu fais là, vilain garçon? Il dit, rien de mère. Mais pourquoi tu as ta main là-dedans? Oh, ma mère m'a donné un bijou, mais il est tellement chaud, je veux le garder au frais. Et pourquoi tu l'as mis là-dedans? Pourquoi tu as mis du beurre sur le visage? Oh, c'est un singe, j'avais la main dedans au frais et il a mis la main dans le pot de beurre pour en voler, il m'a barbouillé la figure, moi j'ai rien fait. Non. Quel garnement. Et l'autre fois, une autre, je suis très troublé par ton garçon Yashoda, Saki, parce que un jour j'ai pris la main dans le sac, je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais? Rien. Mais pourquoi tu as la main dans le pot alors, la main pleine de beurre? Ma main? Mais pas du tout. Mais si, mais pourquoi tu as la main dans le... Mais j'ai perdu mon petit veau et je l'ai vu qui a sauté dans ton pot. Ton petit veau qui a sauté dans mon pot de beurre, mais qu'est-ce que tu me racontes là? Mais oui, mais montre-moi où est ce veau. Mais tu vois? Et Krishna retire un petit veau en marbre. Il est produit comme par miracle un petit veau en marbre. Je le cherchais, il avait sauté dedans. Et Krishna profite de sa stupéfaction pour s'enfuir, poursuivi par la gopi. Et tous les jours, c'était des divertissements comme ça. Une autre fois... Je me fais vraiment du souci pour ce petit, tu sais, Yashoda, ton petit garçon. Il est toujours à la recherche de beurre.
Il vient toujours chez moi. Et un jour, j'étais là, caché, et j'avais tellement bien caché mon beurre qu'il ne pouvait pas le trouver. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été pincer mon petit bébé qui dormait. Et le bébé s'est réveillé en hurlant, et j'ai vu ton Krishna qui s'enfuyait. Et une autre, encore, un autre jour, dit Yashoda, tu sais, ce Krishna, il est devenu trop terrible, c'est pas possible. Je l'attendais, je le guettais, j'étais embusqué à l'attendre. Et je l'ai pris la main dans le pot. Je l'ai attrapé, je lui ai dit, cette fois-là, petit vaurien, je t'emmène chez ta mère, ça suffit. Et je l'ai attrapé, et en fait, elle avait attrapé Krishna, et elle a commencé à le traîner de force, comme il ne voulait pas, elle l'a attrapé, pris dans les bras, et mis son sari par-dessus. Et elle est arrivée chez Yashoda, en disant, Yashoda, mais qu'est-ce que tu racontes? Mon Krishna, mais il est au lit en train de dormir. Il dit, ton Krishna, il est en train de dormir. Elle ouvre son sari, c'est son propre enfant qu'elle avait avec elle. Et Krishna, à ce moment-là, comme par hasard, il sort de son lit comme un bébé qui pleure, qui se réveille, maman, maman, il dit, maman, n'écoute pas, c'est toutes des accusations sans aucun fondement, et tous les jours, ils viennent se plaindre, mais c'est pas vrai, j'étais en train de dormir, et ils sont en train de dire que j'étais là-bas. Alors je dois y aller leur voler du beurre. Et Krishna s'en va. Sometimes Krishna, negatively, Yashoda is telling, my son, bring that wooden sandal, wooden seat, sitting everything, like wooden seat, piece of wood on which Nanda Baba used to sit at the time of taking prasad. Not understand? Wooden asan. Wooden seat. Yeah. Yeah, like this. Krishna used to go and to take it, but he could not lift it. He was doing? You know? Very good. He could not lift it. He can lift very easily Govardhan and whole world. Whole world. Being Bara. Whole world. On his hungry teeth, like lotus flower, at that, like mustard seed. Nothing for him. But he could not lift it. All gopis are laughing. Laughing and clapping. Oh, you are so weak. Sometimes, Yashoda Maiya told, my dear son, bring the sandal out of wooden sandal of your father, and happily running, naked, and he went and kept. He lifted it and kept it on his head, sometimes here, and bring in very in a lovely way. So all gopis are so happy. Sometimes gopi became two parties. One party became towards Baldev, and one party becomes in the party of Krishna. And first party told that my Baldev Prabhu is more stronger than your Krishna. He is black, our Baldev is so fair, and he is so strong, more stronger than this black Krishna. And other gopis were telling that, oh, Nilmani Krishna, Nilmani, you know, Sapphire. Glittering more than Neil Sapphire. Very beautiful Krishna, very more stronger than Baldev. And one was clapping the back of Baldev, and another party was clapping Baldev. And we will see that you should wrestle, and we will see that who is stronger. Then Krishna and Baldev. Doing like so, like this, and they began to wrestle. All were clapping.
sometimes Baldev was trying to keep the back of Krishna on ground. And it was about to be, then Baldev party was planning. In the meantime, at once they saw that Krishna has defeated Baldev and all. And in the meantime, Baldev Prabhu defeated again Krishna. So like all were clapping and enjoying that vibrant. Parfois Krishna, un petit enfant tout nu, ça lui demandait, Krishna, amène le siège en bois sur lequel ton père Nanda s'assoit. Et Krishna essayait, il essayait de le soulever en soupirant. Il n'arrivait pas. Et pourtant, ce Krishna, il peut soulever Govardhan ou même le monde entier sur la forme de Vara, comme un lotus, une fleur de lotus, un grain de moutarde. Mais là, vous ne pouvez pas soulever ce siège. Et les gopis riaient en battant des mains en disant, oh, tu es bien faible, petit garçon, tu es bien faible. Ou parfois, Mirachala disait, amène les sandales en bois de ton père. Et Krishna, tout joyeux, courait, il les prenait sur sa tête ou dans sa poitrine, et d'une façon tellement charmante, il les amenait. Et les gopis étaient tellement heureuses, elles battaient des mains. Ou parfois, les gopis faisaient deux groupes, un qui était avec Krishna, un avec Balaram, qui étaient tous les deux plus ou moins de la même taille. Et certains disaient, notre Balaram est plus fort que votre Krishna. Notre Balaram, il est tout blanc, votre Krishna, il est tout noir, notre Balaram est plus fort. Et d'autres disaient, non, notre Nilamani Krishna, qui est plus rutilant qu'un saphir, est bien plus fort que votre Balaram. Et elle poussait Krishna dans le dos, et les autres poussaient Balaram dans le dos, et les deux enfants s'avançaient vers l'autre, comme les lutteurs, montrant les muscles, hein, et commençaient à se battre, à lutter. Et tout le monde battait, encourageait chacun son camp. Et parfois Balaram allait presque réussir à mettre les épaules de Krishna par terre, et au moment où le camp de Balaram commençait à applaudir, oui, oui, tu vas l'avoir, toi. Krishna se relevait et il renversait Balaram. Et au moment où Krishna allait gagner, le contraire. Et tout le monde était en extase et battait les mains et applaudissait. Et riait, savourant ses divertissements d'enfance. Why Sukadeva Goswami brings over and on so much Jnani and telling all these pastimes of Krishna to Parikshit Maharaj, who is dying. Just after 3 days he will give up his body. Why he is dying? You know that when a disciple is initiated Harinam or Diksha Mantra, he tried to control his mind in chanting. But what he tries so much that I should control my mind, fix my mind, and I should chant Hare Krishna, Hare Krishna. And Krishna. But he cannot do. At that time, so many worldly things, bad things, nonsense things coming in our empty mind, like when a pot of water is taken from sea and from all way water comes running and fills. Understand what I am saying? Empty mind, never empty mind will be empty. So much bad or good things will come here. So when we are sitting, that by the past impressions, all these bad things coming very quickly. And if you will stop it, then you will sleep. Either sleeping or coming. You cannot control your mind. But if anyone, hearing all these sweet pastimes of Krishna, very powerful, you cannot imagine how powerful they are. If you are chanting, Hare Krishna, Hare Krishna. And in mind, in heart you are saying that, oh, naughty Krishna is doing all these things. One by one, like a chain, and chant Hare Krishna, Hare Krishna. Be seated in a place. You will see that all bad things will go away. They will not come.
and powerful Krishna will go and seek in the heart of devotees, and he will clarify all the doubts, all the bad things, nonsense things. They will not come. These are dirty things. So these are very powerful. So you can test it when chanting, remembering Krishna, chanting Hare Krishna, and think all these pastimes, very tasteful, but very powerful. And thus, a very big problem will be solved by doing so. So this is method of chanting, remembering. So you should try to do. Don't think anything. If you are not, in a position, then again, thinking all these leelas. So, more, okay, you should tell. On peut se demander pourquoi Srila Nanda Goswami, qui était un tel érudit, tellement renoncé, Parikshit Maharaj, that always remember all these sweet pastimes and death will not come to you. Easily that will be what? Galloped. Donc pourquoi est-ce que Shukadeva Goswami, qui était tellement renoncé et érudit, racontait ses divertissements d'enfance de Krishna à Maharaj Parikshit, qui était sur le point de mourir, il avait juste quelques jours devant lui. Quand un disciple initié à Harinam ou au mantra, il essaye intensément de maîtriser son mental. Je dois contrôler mon mental, et chanter mon mantra. Mais il n'arrive pas. Et tellement de pensées, tellement d'inepties, tellement de pensées négatives lui viennent dans le mental. C'est comme lorsqu'on rend un pot est vide, on le met dans l'eau s'y engouffre. On voit que lorsqu'on essaie de faire le calme et de chanter, se concentrer sur le mantra, tellement de pensées s'engouffrent dans le mental. Et si on laisse toutes les impressions du passé, des activités passées qui ont laissé leur marque, reviennent dans le mental et l'envahissent, on n'arrive pas. Et si on essaie encore plus, on s'aperçoit qu'en fait, on s'endort. Ouais. Donc, ces lilas sont tellement puissants, ils ont une telle force, que lorsqu'on chante, on devrait s'efforcer de chanter en même temps de se souvenir de ces divertissements. Ouais. Comme ces divertissements charmants de Krishna, ces espiègleries d'enfants, de garnement. De cette façon-là, on peut maîtriser le mental. Le Krishna qui est tellement puissant, parce que les lilas de Krishna ne sont pas différentes de Krishna, le Krishna qui est tellement puissant va venir s'asseoir dans le cœur et chasser toutes les impuretés, toutes les pensées néfastes qui viennent envahir lorsqu'on essaye de chanter. Mais essayez de faire cela. Vous allez voir qu'un gros problème est résolu en un instant, simplement en chantant et en s'absorbant. Chantez le mantra, en même temps vous pensez à ces divertissements. Et si vous n'arrivez pas, vous continuez à entendre ces divertissements et à pouvoir ainsi graduellement les... Vous souvenez lorsque vous chantez vos tours. Maharaj dit, écoutez bien attentivement, bien patiemment, imprégnez-vous de tout cela. Ensuite, quand vous chantez, vous allez apercevoir que ces divertissements vont vous revenir dans le mental. Et un gros problème, celui de la maîtrise du mental, qui est essentiel, va être résolu simplement pour ça. C'est pour ça qu'au début du Srimad Bhagavatam, on voit Shukadeva Goswami qui commence directement par le récit des lilas de Krishna à Maharaj Parikshit. En lui disant, si tu absorbes ainsi dans ces divertissements, la mort ne pourra pas t'atteindre, ne pourra pas te toucher. Donc, this is very easy process to control mind and to chant and remember. Don't sleep. Sleep very energetically like this. Don't sleep. I am saying that some are sleeping. I will point out and I will point out them and tell that they stand up. Then all will see you and laugh. So don't be like very energetic ways. Donc ça c'est un processus très aisé pour contrôler le mental. Et Maharaj dit, je vois qu'il y en a certains qui dorment. Don't look like this. Asseyez-vous correctement, bien droit. Ouais. Ne vous endormez pas parce que sinon je vais vous dire, levez-vous et tout le monde va vous voir, vous serez bien embarrassé. You are seeing that I'm sitting like this.
Not be like old persons. Vous voyez que je suis, malgré mon âge, je me tiens tellement droit, ne soyez pas tout radassés comme des vieillards. Ouais. C'est du provençal, ça. Just so that, hearing all these complaints, thought that anything is there. Why all gopis are complaining about my boy that he is not it? Oh, now I have understood. My boy is going to store butter and everything here and there. I think that the butter in which is prepared in my home is not so tasteful or sweet because my maid servant do it. I should personally milk the cows, a very beautiful cows like Padmaganda and others. And I should myself keep on warm, on hot fire and make it curd and then churn it and then make butter and give to Krishna. It will be very sweet and then he will be stopped to go to store anything anywhere. So in India, there is a very sacred day, Deepavali. In Deepavali, they get used to offer lamps, all like decorated lamps here and there. So at that day, in India, there is a very big function, all they observe. Yashoda Ma told to his all maid servants and all the sakhis that you should go to your home. And they went. Even Rohini Devi was sent to the house of his Upananda, the elder brother of Nanda Baba. Yashoda was there. She milked him herself and put it on fire. And curd of the last day was there. And she was sitting and churning that curd in a big, big pot. There was a pillar, a rope was tied around. And she has in his hand, in her hands, two ends. And she was chanting like this, ghar, ghar, like this. And sweat was coming like pearls. Sometimes some hot sweating comes. And she was so beautiful, and very fine cloth. Her beauty was peeping through fine cloth, rashmi, silk and sari. And sari, this bell has come down here. It was about 4 Brahma Muhurt in night. None was there, nothing to shame. And she was observing, closing her eyes. Tears were coming and singing in a very sweet way. What? Govinda Dharmadhari Ki, Govinda Dharmadhari Ki, Govinda Dharmadhari Ki, Govinda Dharmadhari Ki. Remembering all these past times which she has heard from all the gopis, and sometimes seeing herself, how naughty, how very sweet activities he is doing.
and remembering all, and she was absorbed in this chanting sound from her was dhik, dhik. And thorn? Golden like karta. Dhiktan, dhiktan. Means fine on them to don't remember Krishna like this. And those who are remembering all these past times always, their life is successful. She was quietly absorbed in this. In the meantime, in the very early morning, Krishna awoke on the palanka, on the bed, and shutting his eyes, closing his eyes, and he was searching for his mother, mother, mother here. Then he began to cry, no, not mother here, mother is not here, where she is? She began to do like weeping. Even mother is not coming, then he became louder. Mother, mother, weeping. But Yashoda was there, absorbed in chanting. And it was for so many years far away. Because she knew that if I am nearer and chanting, then Krishna will have it. She wanted that he should sleep. So he was chanting. Krishna could not find such her mother. He wanted to take milk, quite naked, so weeping more loudly, louder, louder. Tears were coming very little, little, and he was doing like this. So the kajal came from his eyes and mixed with tears. And whole was colored. He was black, and after that, this more black here and there, and coming. Anyhow, he thought that mother is not here. So he tried to come down from the bed by the help of his stomach, and with a very great labor. Anyhow, he came down from the bed. And weeping louder and louder, he began to walk towards her mother, his mother. Sometimes like he will fell down because he was somewhat slumber is still in his eyes. Sleepness was in his eyes sometimes. So he was not in a balance to keep his body in balance. So he was going towards her mother, his mother. And when he came very near, but he still Yashoda was so much absorbed. Govinda Dam. Krishna came to her mother nearer and took his this bell. Not bell. Bell was bread. Choti. Bread. Bread. And next, he another by hand, right hand, left hand on the head of his mother, and right hand he very tightly hold of that turning stick. Yashoda said, oh, who is he? He looked and he saw that my son, dear son. He took his son, he left his, that chanting, and she took Krishna in his life and covered with his her veil and gave his breath in the mouth of Krishna. Krishna was taking very happy. Oh, so much milk in the order of
order, breaths of Yashoda. That even Kheer Samudra is one drop. Ocean of milk. It was so much ocean of milk, so endless, without any, endless. Endless. No. You can imagine that. So much milk was there. That Kheer Samudra, ocean of milk, is one drop of that. And Krishna's appetite was so vigor, and his stomach was so vigor, that whole world, last and last world, can be there. So very weak. So there was competition. Milk was never to end, and Krishna's appetite and his stomach was so vigor. So Krishna was taken very happily. And automatically, without any effort, automatically milk was coming from the breasts of Yashoda. Krishna was not sucking. Only it was coming automatically. In the meantime, Yashoda saw that there was a milk pot on the fire, and he wanted to put Krishna there. Krishna was not satisfied at that time, but she wanted to keep Krishna there, and quickly running, going there, and she should save milk from going in fire. Because fire was, milk was boiling. Yashoda wanted to keep Krishna, but he, when she, oh my boy, you should sit here. But Krishna tightened him, her, keeping very tightly by mouth and by with hands like monkeys and with feet also. You see monkeys, boy, they hold tightly to their mothers and they cannot sleep. So Krishna, with his full force, supreme force, he used them. But Yashoda, oh! And he told, yes, oh, sit here. And easily by one hand he sit. You know that Putana was so powerful and strong. Having 60,000 elephants power. But she could not get rid of Krishna. She could not do like this. Krishna was only very easily he was there, taking his breast and baby. Only up to 6 days or 4 days. And she could not get rid of Krishna. And she was tired. She could not do that. But Yashoda, oh, like a very simple, sweet gopi, mother of Krishna, she took by one hand, oh, sit down. Krishna, all power, affluence was felt there. Krishna is controlled by these kinds of love and affection. Especially when anyone thinks that Krishna is mine, oneness is there. You should try to do it. Gurudev has given you Diksha Mantra, that Krishna is yours. You should think that Krishna is mine. And if you are not thinking like that, Krishna will not be controlled. He will not come in our heart. This is the process. Sukadeva Goswami is telling the process. How to make Krishna mine. And it will come from that mantra, Bhati Gurudev is giving. So don't think Mary, it is a playing thing, a thing from playing. This month, very, very powerful honor and vishwas, shraddha, faith we should do. Raghunath Das Goswami has told this process. What process? Gurau goshte goshtalaisu sujane bhusurugane swamantre swanamni
Rajadvadandasarane Sadatambham hitva kurum ratim apurvam Patitaram aibhratas Shantarabhratas Chatubhi jate dhridipada. O mind, if you want to be happy forever and to serve Krishna, then first you should have so much honor for your Gurudev. You should have your Rati. Rati means love and affection for your Gurudev, Diksha Guru and for Shiksha. For Goshtha, what is Goshtha? Vrindavan is Goshtha. Nandagam, Varshana, Radhapur, Shankur, they are Goshtha. Goshtha Laishu to who lives in Goshtha, where Krishna has played all these pastimes like Radhapur, Shankur, and the person, Gopis, Gop, Nandababa, Yashoda, Radha, friends, and all these Sakhis. Also, you can take it, Rup Goswami, Raghunath Goswami, Sanatan Goswami, all the Goswami, Sarup Damodara, Rayaravana, Goshtha Vaishu, all. And then have Rati in name what your Gurudev has given. What name? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare. And mantra, what your Gurudev has initiated in Diksha mantra. And in conjugal, Radha and Krishna and Chaitanya Mahaprabhu. And thus, you should do all your sadhana and bhajans. So here also we will have to do all these things. What Sukadeva Goswami is telling to Parikshit Maharaj through the pastimes of Krishna and Yashoda. Yashoda se demandait, ah, je crois que j'ai compris maintenant pourquoi il y a toutes ces complaintes envers ce garnement. Il va en fait voler, maintenant j'en suis persuadé. Et pourquoi? Parce que le beurre d'ici ne va pas être assez bon pour lui. En fait, c'est mes servantes qui le font. Je crois que je vais le faire moi-même. Je traiterai moi-même une vache, la plus belle, Palmaganda, chauffer moi-même le lait, faire le yaourt, ensuite le barater moi-même, et faire un beurre tellement doux que Krishna n'aura plus jamais volé ailleurs, dans une autre maison du beurre. En Inde, ce jour est commémoré, ça s'appelle Dipavali, c'est un jour très saint, où on offre des lampes, toutes les maisons sont décorées de lampes. Et on a aussi une grande cérémonie. Donc Yashoda, ce jour-là, a dit à toutes ses servantes et ses sakis, rentrez chez vous. Et même Rohini, qui habitait chez elle, a été renvoyée, envoyée chez Upananda, le frère aîné de Nanda Maharaj. Donc elle est restée toute seule. Elle a trait sa plus belle vache, elle a allumé le feu, elle a porté le lait sur le feu, et elle a pris le yaourt du jour d'avant, et elle a commencé à le barater. C'est avec une corde attachée à un pilier, et deux poignées, et à deux mains, elle baratait ainsi. Et l'effort faisait apparaître des gouttes de transpiration, de sueur sur son visage, comme des perles qui rehaussaient sa beauté. Elle était tellement belle, avec un vêtement en soie très fin, qui faisait transparaître sa beauté, le voile de son sari, il lui était tombé sur la taille, et à 4h du matin, elle était toute seule dans sa maison, personne ne la voyait, elle était absorbée, des larmes qui coulaient de ses yeux, en chantant le divertissement de Krishna, Govinda Damodara Madhaviti. Absorbée dans les divertissements que lui racontaient les gopis, ou ce qu'elle avait vu elle-même, les divertissements de Krishna. Et le son, le son de la barate, le son des bracelets faisait dik-tang, dik-tang. On y soit ceux qui ne s'absorbent pas dans les divertissements de Krishna, hein. Honte à eux, et toute gloire à ceux qui s'y absorbent et qui connaissent ainsi la perfection de l'existence. Entre-temps, bébé Krishna s'était réveillé, et les yeux fermés à tâtons, comme le font les petits bébés, il cherchait avec sa main sa mère dans le lit, mais il ne pouvait pas trouver sa mère. Donc il a commencé à se réveiller un peu plus, et à pleurnicher, et à appeler de plus en plus. Mais Yashoda était loin, parce qu'elle s'était mise un peu loin exprès pour ne pas réveiller Krishna avec le bruit de la barate, donc elle ne pouvait pas entendre Krishna qui pleurait. Et Krishna voulait téter, et de plus en plus il pleurait, les larmes commençaient à couler un peu de ses yeux, et il se frottait ses petits yeux, comme les yeux pleins de kajal,
En se frottant les yeux, il avait tout le visage barbouillé avec du kajal. Et avec ses mains, il les remettait sur son ventre, il avait du kajal partout. Et Ganyashana n'entendait toujours pas. Alors il a essayé de descendre de son lit, il n'arrivait pas, il était un tout petit bébé. Alors, finalement, en rampant, il a réussi à escalader le lit, à redescendre. Et en trébuchant, il a couru vers sa mère. Mais il n'était pas vraiment encore réveillé, il avait le sommeil encore dans les yeux, donc il tombait, il se relevait, il pleurait de plus en plus fort. Et elle, qui était absorbée dans son maratage du lait, du yaourt plutôt pour faire du beurre, elle n'entendait toujours pas. Et finalement, arrivé près d'elle, il a saisi, elle était assise pour faire ça, il a saisi de la main gauche sa natte, et de l'autre, il a attrapé le bâton de la barate pour qu'elle s'arrête. Elle dit « Oh, c'est lui, mon tout petit !» Tout de suite, elle a pris sur ses genoux, elle a soulevé son voile et elle a donné à téter. Et Krishna a commencé à boire, à téter son sein tout heureux. Elle avait tellement de lait, on dit que, en comparaison avec le lait de Yashoda, l'océan de lait est une goutte de son lait. Mais Krishna avait manifesté un tel appétit, manifesté un ventre tellement énorme que plusieurs univers pouvaient tenir dans son ventre. Il y avait une compétition entre le lait, la quantité de lait, et l'estomac et l'appétit de Krishna. Et le lait coulait sans limite, illimité, et l'appétit de Krishna était illimité, son ventre était illimité. Il y avait comme une compétition entre les deux. Et le lait coulait spontanément sans que Krishna ait besoin d'exercer une pression en tétant. Pendant ce temps-là, le lait qui était à chauffer, commençait à déborder. Donc elle a voulu poser Krishna. Krishna n'était pas encore apaisé, pas encore satisfait. Donc, elle a voulu le prendre, assieds-toi. Mais lui s'est accroché à elle. On voit les petits singes en Inde, ceux qui ont été en Inde voient les petits singes qui s'agrippent à leur mère avec les pattes et avec les mains. Et ils ne peuvent pas glisser. Et ce Krishna qui est l'origine de toute chose, qui a une force considérable, que Putana, avec sa force de 60 000 éléphants, ne pouvait pas arracher de son sein alors qu'il est en train d'aspirer son sein et sa vie en même temps, alors qu'il avait à peine 4 ou 6 jours. Mais Yashoda, d'une seule main, cette gopi toute frêle, avec toute sa beauté, elle a dit « Ah, assieds-toi ici, garde-moi. » Et vu l'été, se précipiter pour empêcher le lait de déborder. Quel sentiment a-t-elle? Comment est-ce qu'elle pouvait faire ça? Parce qu'elle avait le sentiment « Krishna est à moi », ce mamata dont on parlait tout à l'heure, c'est le sentiment de propriété « Krishna est à moi ». Et par la force du sentiment, elle a pu contrôler Krishna. Le Krishna est contrôlé par cette affection. Oui. Et ici, donc, le processus est donné. Krishna, lorsqu'il donne le guru, lorsqu'il donne le mantra, le diksha mantra, il dit, en fait, Krishna est à vous. Et le disciple, maintenant, doit penser, Krishna est à moi. Et on n'a pas, si on ne pense pas ainsi, si on n'a pas cette vision, Krishna ne peut pas vraiment venir dans le cœur. Donc, le processus est donné ici par Shukadeva Goswami. Et Gurudev a donné un mantra. On ne doit pas penser que c'est un jeu, le prendre à la légère. Il faut le respecter avec tellement de foi. Dans son Manasiksha, dans le premier verset, Raghunathas Goswami a donné le processus. Ô mon mental, si tu veux être heureux à jamais, si tu veux servir Radha Krishna, alors Guru Goshte, il commence le mantra. Guru, d'abord, nourris la plus grande affection, la plus grande foi. Sers ton Guru avec beaucoup d'affection, beaucoup d'amour. Mais ensuite, donne la même affection, le même amour à Vraja, avec tous ces lieux de divertissement, au Brijvasi qui vit dans ces lieux. Ça inclut les Gopas, les Gopis, Yashoda, Nanda, les Sakhi. Et encore une fois, on peut ajouter Maharaj dit les Goswami, Rai Ramananda, Sarodamoda, tous les Goswami, Raghunadas, Ropa, Sanatan Goswami. Ensuite, chérie également de la même manière le mantra que t'as donné ton guru. Le Harinam mantra, également le Diksha mantra. Et également Radha Krishna, Mahaprabhu, et absorbe-toi ainsi dans ta sadhana. Et on devra ainsi donc faire suivre tout ce processus qui est symbolisé, on peut dire, par le divertissement de Krishna que raconte Shukadeva Goswami, Krishna avec Yashoda. Tomorrow, in morning, about 10 and a half, I will come in class. Also in the evening, about 5 and a half, and try to finish this pastime. Very, very strong pastimes, and very sweet. I want to finish. So, you request you all that you should come in class at time. What I told
Rupa Goswami and all others have told like that chanting, at the time of chanting, you can go to Vrindavan and do parikrama of Govardhan. You can remember all these parsans of Krishna and chant. So this is the process that mind will be very soon fixed and all other silly things will not come in your mind. This is the process. If you are not doing so and try to control your mind and fix mind, in lives and less births you cannot do. So these are very simple process that you can control your mind. And thus you can develop your Krishna consciousness. Then nishtha may come and after that ruchi will come and all problems will be solved. Don't give up all these things. And one also request that husbands and wives, they should not divorce each other like animals. Otherwise there will be so problems. And all problems are coming to me and I am hearing. And that is why Bhaktivedanta Swami Maharaj, your Prabhupada, was so much worried for this. So, you should not make problem for you. Be very honorable and humble to your family persons, your children, your wife, your husband. And if they are not favorable, very gently you should have no this harikatha or all these things. You can be with them outwardly, but don't quarrel. Don't have any problem from them. Otherwise you will be yourself perplexed. So try to be like this and chant and remember. Don't even think that I will give up all these methods and I will go only to earn money for fans, beautiful wares, beautiful all these things for sense gratification. Don't lose all this. Try to be like Rupa and Sanatana. What you have, you should be satisfied. And give your energy in chanting, remembering. You can do something for your life maintaining, no harm. But not observe, hold your energy in that. Some little fraction should be towards that and all your energy should be given in Krishna. Then you can realize something and then you will think that I am happy, otherwise no. So punctually you should come at 10:30 in something. Initiation. After initiation, their names has been changed. I want to declare their names. What first name? Maharaj dit donc, demain matin, il va descendre à la classe à 10h30, également le soir, à 5h30. Il voudrait terminer ce lila qui est tellement puissant et tellement charmant. Maharaj, je vous demande donc instamment de venir à la classe à l'heure. Ce que j'ai dit sur la façon de chanter avec Krishna, c'est Rupa Goswami, les autres Goswami l'ont dit. En chantant, vous pouvez aller, lorsque c'est le moment de chanter, vous pouvez aller mentalement à Vrindavan, faire le parikrama de Govardhan et vous absorber dans le souvenir de ces divertissements ici. Ça, c'est un processus très facile pour fixer le mental et le maîtriser. Si vous essayez par vous-même de la franchir des inerties qui viennent envahir, même dans des centaines de villes, des lacs, c'est-à-dire 100 000 villes, plusieurs lacs de vie, vous n'arrivez pas à le faire. Ça, c'est un processus très facile. Il faut développer la conscience de Krishna, et je suis certain qu'en faisant ça, rapidement, vous allez atteindre Nishtha, Ruchi, et atteindre la perfection. Oui. Et ne pensez jamais à abandonner un tel processus.
Et maintenant, une autre requête. S'il vous plaît, ne divorcez pas entre vous. Ne soyez pas comme les animaux. Hein? Et ça crée ensuite tellement de problèmes, et ces problèmes me viennent à moi. Je sais que votre Prabhupada, Bhaktivinoda Swami Maharaj, il y avait tellement de problèmes à cause de ce souci principal. Tellement de soucis. Dans votre famille, respectez les membres de votre famille, entre mari et femme. Et même si ils ne sont pas favorables, ne vous, dans ce cas-là, ne leur imposez pas harikata, soyez courtois, fréquentez-vous, mais gardez une relation superficielle, mais surtout ne vous querellez pas, sinon ça vous met dans la perplexité. Essayez donc de chanter de cette façon-là et de vous absorber dans le souvenir de divertissement de Krishna. Ne pensez pas à passer tout votre temps simplement à gagner de l'argent pour avoir des vêtements de prix, des affaires de prix et des choses pour le plaisir des sens. Ouais. Essayez de devenir comme Rupa et Sanatan. Contentez-vous de ce que vous avez, bien sûr, et chantez. Bien sûr, vous pouvez faire quelque chose pour vous maintenir, mais vous pouvez utiliser un peu de votre temps pour cela, mais pas le plus clair de votre temps. Le principal de votre temps doit être absorbé dans le service de Krishna, dans ce champ de souvenirs, si vous voulez vraiment votre propre intérêt et être heureux. Ouais. Si vous dédiez-vous ainsi à Krishna, et en faisant ça, vous pourrez arriver à la réalisation spirituelle et au bonheur que vous recherchez. Donc Maharaj dit, je voudrais que vous soyez ponctuellement à l'heure demain pour les classes. Maintenant, certains des vôtres ont été initiés et donc leur nom a été changé. Maharaj va annoncer maintenant ces noms. Vrindarani, if you are here, please stand up. Est-ce que Vrindarani est là? Vrinda name is so okay, very near and dear to Krishna. So I think that his name is proper. So Vrinda Rani, now here Vrinda Devi. Vrinda Devi. Yeah. Vrinda, c'est un nom parfait qui est tellement cher à Krishna, donc Maharaj va seulement transformer le Vrindarani en Vrinda Devi. You are so much lucky that you are coming towards Krishna and I have named you Leelavati Devi. C'est tellement fortuné que tu viens à Krishna. Narayani, Devi Dasisi has taken today. Riksha, you can stand up. She's there. She has got the same name. She has taken Riksha. Narayani Devi is okay. So, Narayani Devi ki. Sakshi Gopal, today. He has taken the chance, his name, I have kept his name, what? Sakshi Gopal Prabhu. Sakshi Gopal Prabhu. Then, Gonzalez Pascal. You are fortunate. I'm fortunate. You are coming in Krishna consciousness. You should be very strong. Very careful. And be careful of a good association. Veille à la compagnie que tu gardes. Oh. I've named him Gopi Chandra. You are fortunate to have the name Sulata Devi. Sulata Devi ji. Yes. You know who is Sulata? In Krishna Path times, one Sakhi, very near and dear Sakhi of Radhika, like a golden creeper growing on surrounded to Krishna, the feet of Krishna and Radha, is called Sulata Devi. Sulata Devi ki. C'est un nom merveilleux, ça signifie, c'est le nom d'une des Sakhi très proches de Radharani,
Son nom signifie la liane dorée qui s'enroule au pied de Radha et Krishna. Shyama Dasi. Shyama Dasi. Shyama Dasi. Shyama Dasi is so good name. Who is Shyama? Krishna is Shyama. And the beloved of Shyama is Shyama. Hence herself, Srimati Radhika. The name of Radhika is Shyama. So you are Shyama Dasi. Shyama Dasi ki. Qui est Shyam de Krishna et qui est cher à Shyam, Shyama, c'est un nom de Radha, de Radha. Chandrapati, Prabhu. I'm lucky to have your association. Senior Vaishnava. And he's lucky. Chandrapati. Chandrapati, Chandrapati, husband of, beloved of Chandra, who is Krishna himself. So Chandrapati, Krishna Das, Ishmael. So Chandrapati. Chandrapati, t'as les beaux aînés, Maharaj dit, je suis fortuné d'avoir ton association. Et toi aussi, tu es très, très fortuné. Chandrapati, le maître de Chandra, l'époux de Chandra, c'est Krishna. Donc, Krishna Das. Geraldine. Oh. Oh. I thought that you have gone with your mother. You are here. Oh, you are also here. Elle pensait que. Maharaj pensait que tu étais parti avec ta maman. Elle est là. I have given him name Malati Dasi. Malati, like a very smelling, very good smell flower, always in the hands of Srimati Radhika and Krishna. So you are very near and dear to Radha and Krishna. Malati, c'est une fleur très, très adorante qui est toujours, on voit toujours, qui orne les mains de Radha et Krishna. Malati, tu es très cher à Radha et Krishna. Well, then, Sankhya, Dasi, is here. Very good name. Vasanti Devi ki. Who is Vasanti? Krishna is Vasanta. Beloved of Vasanta Krishna is Vasanti. Very dear Sakhi of Srimati Radhika. She should always serve Vasanta. Vasanta, that is Krishna. Vasanti Devi ki. Vasanti, c'est dans une Sakhi qui est très chère à Krishna. Vasandra, c'est Krishna. Vasanti, qui est chère à Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hey, 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 hey. Go pray, Minande. Hey, 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 hey. Go
Bénédiction de tout cœur à tous. Bénédiction de tout cœur. De tout cœur. So nice. They're teaching how to control the mic. Govinda Bhakta. So much. You think they are real Krishna concept in Japan? Real. Best friend of his Gurudev! Protector of Assam Pradesh, he's a good egg! Yeah! Oh, pray, Manande! You went like this every day, yeah? In case we forget. Very good. Very heartily blessings to you, your child. Actually, Gurudev, they said yesterday maybe what I was saying was too controversial.